Bonjour à tous, j'espère que toi qui me regardes, j'espère que ça va bien avec ce temps. Je ne saurais pas comment le décrire tellement qu'il est désespérant. Je fais cette petite vidéo pour vous montrer les petits achats qu'on a fait hier soir à Noz avant la fermeture. On a été sur un coup de tête à Noz, il devait être, oh, je sais plus, vers 6h30, 7h, donc ça fermait 7h30. On a eu un petit peu de temps pour pouvoir acheter des petites choses. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on a repris des petites boîtes. Enfin, c'est pour mon chéri. C'est pour mettre des petits CD comme ça. Donc, c'était à un lot de 5 boîtes à 1,99€. Voilà. Ensuite, une petite boîte hermétique à 2,49€. Ça a l'air d'être de la bonne qualité. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Parce qu'il n'y a plus grand-chose. La nourriture. Alors, hop, que je fasse pas tout tomber. J'ai trouvé un maxi pot. Enfin, maxi. Un gros format de beurre de cacahuète à 2,49€. Donc, moi, j'aime bien. Voilà. Normalement, c'est du. Il n'y a pas de morceau. Donc, voilà. C'est carrément la pâte de beurre de cacahuète. J'ai repris des raviolis panzani à 1,65€. Donc c'est les raviolis carbonara. Franchement, ceux-là, j'adore, ils sont super bons. Ensuite, pour continuer la collection de tablettes de chocolat, la Milka Oreo. Bon, je suis pas fan de l'Oreo, mais je vois qu'il y a des tout petits morceaux, donc ça devrait passer. C'est l'espèce de gâteau, enfin le truc noir là, qui a un goût de charbon. 75 centimes. Petite tablette comme ça. Ensuite, j'ai découvert. Bon, je sais, n'allez pas me jeter des pierres. Je ne connaissais pas les Stickles. 65 centimes, une petite boîte de Stickles. 45 grammes. Donc. Oui, 59 centimes. J'ai eu un bug. Ouais, c'est des petits bonbons fruités, c'est super bon. Voilà. Hop. Et on va arriver. Alors, ça, bon, je parle de ça. Mon chéri a trouvé, parce qu'on adore l'encens, un lot de différents encens à 2,50€. C'est sombre, c'est terrible ce temps. Je suis allumée. Ouf, je suis allumée, oui. Je suis obligée d'allumer toutes les lumières, tellement il fait noir. Et il pleut. Ça sent bon. Donc, je vais déballer ça en direct avec toi qui me regarde. Alors, le premier paquet, oh là, qui a un peu morflé, c'est de l'encens au lotus. Bon, ça sent super bon. Voilà. Hop. Ensuite, on a au jasmin, à la lavande. Je sais pas si vous allez bien voir, mais bon. À l'orchidée. Et le dernier que j'attrape, hop, ça sera à la poubelle, la rose. Ça sent super bon celui-là. Je vais le brûler dès que j'aurai fini ma vidéo. Donc ça sera avec les autres ensemble dans le bac. Voilà. Ensuite, pour les plus impatientes d'entre vous, on va arriver au rayon. Enfin, au rayon. Oh, qu'est-ce que je raconte? Au côté beauté. Toujours le meilleur pour la fin. Donc, alors là, c'est mon chéri qui s'est trouvé ça. C'est du Ulrich de Varenne en black. C'est de l'eau de toilette avec le pchit à 1,50€. Donc, je sais pas si il a dû sentir. Ça sent pas grand-chose. Ouais. Voilà. Ensuite, moi, j'ai repris encore de celui-là. L'Ulrich de Varenne, c'est le. Je sais pas si je l'ai. 1,50€. Je ne m'en rappelle plus. Mais bon, si je l'ai, je l'offrirai en cadeau. Et. J'ai craqué sur le petit coffret Hello Kitty. Bon, je sais, j'ai 33 ans, voilà. Hein. 3,99€. Alors, on a le petit gel douche. Bon, allez, je vais le déballer parce que. Hein, voilà.
Je cherche. Comme... Oui, voilà. Oh, je suis blonde. Mon Dieu. Alors, ça se présente comme ça. On a le gel douche. C'est super mignon. Je fais du bruit. Hein. Donc, voilà, avec la petite Kitty. Bon, c'est du 150 ml. C'est du gel douche à la framboise. Et franchement, bon, il n'est pas ouvert. Ah si, j'ai déchiré. C'est super bon. Ça sent vraiment la framboise, léger. C'est trop mignon. Voilà. Et le petit parfum. Hop, ça va à la poubelle. Clac, clac. Donc, le petit parfum. On a aussi un petit truc pour attacher avec la petite Kitty. C'est trop mignon. Donc, le parfum, c'est pareil. Ça sent les fruits rouges. Que je ne mette pas sur mon chat qui dort au pied, à mes pieds. Ah ouais, ça sent super bon. Ça sent le fruit rouge. J'adore. Voilà. Hop, la petite Kitty qui ira, si elle peut, bah, dans mes rangements de salle de bain. Alors, ensuite, j'ai trouvé des petits vernis à ongles. On voit rien du tout. Donc là, il y en a un qui fait un petit peu couleur bordeaux, mais apparemment, c'est Raspberry Rush. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Peut-être. Donc là, je ne sais pas. J'ai vu qu'il y avait des étiquettes de One Direction. Donc ça, poubelle. Je m'en fiche un petit peu. Donc c'est Little Thing. Oui, voilà, c'est du One Direction. Je suis pas là, j'en ai un peu rien à faire. Voilà, hop, poubelle, ça, je m'en fous. Voilà. Donc, et celui-là, c'est le Everything Emerald. Donc voilà, c'est un vert pailleté. C'est super joli. Je suis sûre que vous ne voyez pas. Je referai une petite... sur ma page Facebook, je referai des petites photos avec le vernis porté. Donc là, on a le vert et le couleur... Apparemment, c'est couleur framboise. Voilà. Hop. Ensuite, et les derniers articles de mon haul nose. Donc, je vous ai dit, les vernis, c'était combien? Je sais plus. Oh, il devait être à 99 centimes. Ouais, 99 centimes. Des rouges à lèvres à 85 centimes. Cela, hop, j'enlève l'étiquette. Je fais de la saleté. Hop, je vais mettre ça là. Donc, on a un rouge comme ça. La forme m'a fait rire sur le coup. Bon, je vais pas vous dire à quoi j'ai pensé. Donc, c'est un rouge. Je vais le tester. Donc, c'est signé. Je ne sais pas qui. Bon, encore les One Direction. Ils nous envahissent, c'est pas possible. Je ne comprends pas pourquoi ils sont sur des maquillages. Bon, bref. Alors là, c'est un rouge. Il y a des petits dessins séparés dessus. Je referai une photo pour vous montrer. Donc, on va le swatcher. Je ne vais pas trop l'ouvrir parce que... Hop. Voilà, un rouge comme ça. Hop. Je referme bien. Et on a le rose. J'ai pas choisi mon bon moment en fait pour faire ma vidéo, moi. Non, on voit rien. Bon. Je vous montre. Hop, c'est pas grave. Voilà. Tac. Bon, les filles et les garçons, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous avez pu apprécier mon petit haul. Je vais faire aussi ma vidéo des produits terminés. C'est que j'ai pas trop eu le temps de la tourner. Ça doit venir après, je pense. Je vais la faire peut-être demain, si j'ai le temps. Je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye!